Vous en avez marre de ne pas retenir facilement le vocabulaire en anglais, des soucis de mémorisation? Pas de souci, utilisez la technique de la mind map. Ça marche vraiment bien. Alors, mind, c'est l'esprit. Map, c'est la carte. Donc, mind, map, en deux mots, c'est la carte de l'esprit. Donc, regardez, vous êtes dans votre kitchen, dans votre cuisine. Et là, vous faites une mind map pour retenir le vocabulaire autour de vous de la cuisine. Donc, vous mettez kitchen au milieu sur votre, par exemple, dans votre cahier d'apprentissage. Et là, vous mettez knife, le couteau. Donc, knife. Fork, et vous reliez tout à kitchen. Fork, c'est la fourchette. Fridge, le frigo. Food, la nourriture, etc. Et ça, vous le faites pour n'importe quel thème. Par exemple, votre voiture, votre maison, ce que vous faites au travail. Et vous verrez, c'est beaucoup plus facile à retenir.